Bienvenue dans ce guide d'instruction pour le raccourcissement de la Duritz RAM ETAP Access HRD. Des outils courants pour l'entretien des vélos, ainsi que des outils et accessoires spécifiques seront utilisés. La liste complète des outils et accessoires nécessaires est indiquée dans la description de la vidéo ci-dessous. Sinon, consultez la page sram.com/service pour en savoir plus. Pour obtenir les instructions de purge, cliquez sur le lien indiqué dans le coin en haut à droite ou dans la description de la vidéo ci-dessous. Retirez la roue conformément aux instructions de son fabricant. Veillez à ce que le liquide de frein DOT n'entre jamais en contact avec les plaquettes ou les disques de frein. Des plaquettes ou des disques de frein contaminés pourraient réduire les performances de freinage. Retroussez la cocotte vers l'avant. Placez un chiffon sous la Duritz au niveau du raccord de Duritz pour absorber tout le liquide de frein DOT qui peut couler lorsque la Duritz est débranchée. Positionnez une clé plate de 10 mm sur le corps de la valve et une clé pour écrou conique de 8 mm sur l'écrou de compression afin de desserrer et de retirer l'écrou de compression et la Duritz. Pour les cintres aéro, retirez le levier de frein du cintre aéro. Vérifiez que les freins sont bien installés, que la Duritz suit le cheminement recommandé et qu'elle est parfaitement attachée au vélo. Pour savoir à quel endroit couper la Duritz, maintenez la Duritz au niveau du levier de frein et déterminez une longueur qui permette un grand rayon de courbure et une rotation libre du cintre des deux côtés. Pour les cintres aéro, pour savoir à quel endroit couper la Duritz, laissez-la dépasser de l'extrémité du cintre aéro de 20 mm. Utilisez un coupe-Duritz hydraulique pour couper toute longueur de Duritz inutile. Ne coupez jamais la Duritz au niveau de l'étrier. Une petite quantité de liquide de frein DOT peut s'écouler de la Duritz lorsque vous la coupez. Ceci est normal. Si du liquide DOT entre en contact avec une surface peinte, nettoyez-la immédiatement à l'eau claire. Au moment de leur remontage, tous les freins SRAM dotés d'un raccord cannelé et d'une olive de compression doivent avoir un raccord cannelé Stealth Magic 9 et une olive de compression Stealth Magic 9 de couleur rouge. Une olive de compression Stealth Magic d'une couleur différente peut avoir été installée en usine. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement du frein avant son démontage. Au moment du remontage, vous devez installer un raccord cannelé Stealth Magic 9 et une olive de compression Stealth Magic 9 de couleur rouge. Les Duritz de frein montées avec des raccords cannelés et des olives de compression autres que Stealth Magic ne fonctionneront pas. Appliquez de la graisse de montage pour frein à disque hydraulique SRAM DOT sur le filetage du raccord cannelé. À l'aide d'une clé Torx T8, vissez le raccord cannelé Stealth Magic dans la Duritz jusqu'à ce qu'il affleure avec l'extrémité de la Duritz. Ne serrez pas trop le raccord cannelé. S'il est trop serré, la gaine interne de la Duritz peut être endommagée. Vissez l'olive de compression par-dessus le raccord cannelé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit légèrement plus basse que le raccord cannelé. Le filetage de l'olive de compression est inversé. Appliquez de la graisse de montage pour frein à disque hydraulique SRAM DOT sur les filetages de l'olive de compression et de l'écrou de compression. Installez la Duritz dans le corps de la valve tout en vissant l'écrou de compression à la main. À l'aide d'une clé plate de 10 mm, maintenez le corps de la valve en place et, à l'aide d'une clé pour écrou conique de 8 mm, serrez l'écrou de compression à un couple de 8 Nm. Le fait de couper la Duritz fait pénétrer de l'air dans le système de freinage. Pour garantir un fonctionnement optimal, vous devez purger vos freins. Passez à la procédure de purge ETAP Access HRD.